Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, ici OnioMySkill, j'espère que tu vas bien mon petit pote. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de cheaters. Les cheaters c'est quelque chose sur tous les jeux, je pense que ça énerve tout le monde, voilà. C'est le truc le plus chiant qu'il puisse y avoir sur un jeu vidéo. Si toi aussi t'aimes pas les cheaters, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, voilà. Un pouce bleu égale un cheater en moins sur Fortnite. Donc voilà, bombardez-moi ces pouces bleus là, je veux 15 000 pouces bleus les potes, 15 000 pouces bleus sur cette vidéo. Et bien évidemment, on n'oublie pas de s'abonner, ça fait plaisir. La petite cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Wow, alors les mecs, attendez, là je gère mon spawn. Wow, les mecs, y'a pas mal de gens là. Attendez deux petites minutes, c'est en train de se battre. Y'a une banane là, je crois, voilà. Hop là, la petite banane, ça dégage. Oh, le stuff qu'il avait. Wouhou, Scar en or et tout, mini-pot. Pour let's go. Alors les amis, comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va parler d'un cheater qui s'est qualifié, les amis, pour New York en pleine Coupe du Monde. En fait, il a triché en pleine qualification de la Coupe du Monde. Il a réussi, les amis, à se qualifier pour New York. Alors là, vous vous demandez comment est-ce qu'il a fait pour tricher en pleine Coupe du Monde. C'est très très simple, les amis, vous allez comprendre. Il n'a pas eu de IM bot, il n'avait pas de Wallach ou de trucs comme ça, tu vois. C'est encore pire. Alors les amis, je pense que vous savez un peu comment ça marche au niveau des qualifications de la Coupe du Monde, etc. Chaque week-end, vous avez simplement un tournoi, donc soit de la duo, soit de la solo. Et les meilleurs du tournoi se verront simplement avoir une qualification pour la Coupe du Monde à New York. Et cette personne-là a justement réussi à faire énormément de points dans ses tournois. Mais malheureusement pour lui, on a cramé qu'il avait triché. Et ça me choque, tu vois, qu'il y a vraiment très peu de personnes qui ont parlé de ça. Parce que c'est quand même assez incroyable. Tu vois, un tricheur en pleine Coupe du Monde qui arrive à se qualifier pour New York et qui a vraiment pas grand monde qui en parle. Je sais pas, c'est un peu chelou, tu vois. Alors, le joueur, il s'appelle Rise XXIF. Voilà, c'est un américain qui est hyper fort, en vrai. Mais malheureusement, bah, il a dû avoir recours à la triche pour arriver à se qualifier. C'est un peu lâche, en vrai, c'est très très lâche même. Mais voilà. Alors, comment il a fait? Alors, pour tricher, les amis, il a justement demandé à des amis à lui de rentrer dans sa partie. Et en gros, tout ce qu'il allait faire, lui, c'est récupérer les kills sur eux. Voilà, il allait simplement les tuer. Et en gros, il allait gagner des points et de la construction. Et du shield en les tuant. Donc je vais vous montrer la vidéo qui montre comme quoi il a bien triché. Alors du coup les amis, je vais vous expliquer ce qui se passe dans la vidéo. Alors justement ici, on a du coup le tricheur Rise XXIF. Vous allez voir ce qui va se passer, c'est très très drôle en vrai. Moi je trouve ça hyper drôle parce qu'en fait, ils l'ont fait de manière tellement pas discrète que ça en devient drôle. Alors du coup, lui, il va réussir à atterrir sur un fusil à pompe vert, si je dis pas n'importe quoi, un chasseur vert. Et là, son pote va se dire, bah tiens, si j'y allais alors qu'il y a déjà un mec. Alors, le mec, il va atterrir bien évidemment, il va essayer de le fight. Et vous allez voir que le fight, il va mourir de rire. Alors, ici, on a du coup son pote qui va essayer de prendre l'arme sous l'escalier. Bien évidemment, il va faire genre qu'il n'y arrive pas, tu vois. Il va taper, je crois, l'escalier comme un petit gogol, voilà. Il va taper l'escalier en bois, normal. Il va même pas prendre l'arme en dessous. Là, il passe à côté du space 12, il le prend pas. Ok, là c'est un peu grillé quand même. Et là du coup il va essayer simplement de tirer sur son pote bien évidemment. Mais son pote va le tuer. Et du coup la troisième personne qui va justement participer à cette triche, c'est Jesty. Qui lui en fait va atterrir alors qu'il voit qu'il y a déjà un combat qui est en train d'être fait. Bien évidemment il fait exprès, bah là je pense que vous avez compris. Il va atterrir alors qu'il voit que le fight a commencé juste ici. Il va se dire, tiens, si j'y allais, j'ai peut-être une chance de le tuer, hein, alors qu'il a déjà un pompe. Et bien évidemment, les meilleurs joueurs ne font jamais ça, voilà, les mecs qui font la Coupe du Monde ne font jamais ça. C'est des grosses, grosses erreurs que personne ne fait. Là, il va faire genre, il récupère la PM, et là, moment très, très drôle. Regardez comment il vise. Il va viser la brique. Là, il croit qu'il nous a eu. Il croit qu'on n'a pas grillé. Mais mec, t'es un peu bête, je trouve. Genre, c'est hyper grillé, en vrai. Et voilà, du coup, le mec récupère deux petits points grâce aux deux kills, 200 HP et 300 de construction. Le mec, il est trop bien. Du coup, voilà, vous avez vu, en fait, qu'il a réussi à tuer ses amis. Ses amis qui ont, on va pas se mentir, fait un peu genre d'essayer de le fight. Alors, on sait très bien qu'ils ont fait exprès de pas le tuer. Comme ça, lui, il peut récupérer des points, il peut récupérer de la vie. Et en plus, il peut récupérer de la construction. Et ça va grave bien le mettre. Ah, là-bas, il y a une boule. Viens ici, toi. Je sais pas si elle va venir vers moi si je lui tire dessus. Est-ce que tu vas venir vers moi? Je vais te casser. Ah, voilà, bah voilà. Il est sorti de sa bulle. Oh non. Oh non, non, il va prendre le truc pour voler là. Ah, faut pas qu'il monte. Tu vas pas monter. Je vais pas te laisser monter, gros. Oh non. Ah, bah tu vas mourir dans les airs. Hein. Et ouais. Et ouais. Alors bien évidemment, il a essayé de se défendre en disant comme quoi voilà,
Bah, c'était peut-être ses potes, il les connaissait peut-être, mais voilà, c'était du hasard, etc. Enfin bref, voilà, il essayait de nous faire croire en gros que c'était pas programmé, qu'il l'avait pas fait exprès simplement d'atterrir au même endroit qu'eux et de les tuer. Bien évidemment, personne n'a cru à ça, voilà, c'est tout à fait normal, c'est clairement grillé, on va pas se mentir. Alors bien évidemment, Epic Games ont réagi suite à ça, ils l'ont disqualifié de la Coupe du Monde à New York, et il a reçu 2 semaines de bannissement. Il s'est fait bannir lui, mais également ceux qui ont participé à la triche, donc en gros tous les alliés qu'il avait tués. Moi je trouve ça extrêmement lâche en vrai de tricher en pleine Coupe du Monde, parce que tout le monde se bat, tout le monde donne le meilleur de soi-même pour justement se qualifier à New York, et voilà, t'as des gens comme ça qui viennent, qui prennent des places alors qu'ils les méritent même pas. Il y a peut-être quelqu'un qui méritait sa place, et lui, voilà, il a essayé de lui prendre en trichant. Bien fait pour lui, en vrai, qu'il se soit fait avoir. Oula, j'ai flippé. Attendez, attendez. On va descendre en bas, je vais prendre le lance-roquette, je pense. Tac. Je vais le faire tomber. Ah, il est en dessous. Oh, j'ai mis moins 158 là. Let's go, le moins 158 qui fait plaisir. Ok, par contre, on va aller en zone parce que la zone est juste derrière nous là. Elle nous colle au cul. Il me reste encore un tremplin, ça va. Je pense que... Ah bah tiens, un autre tremplin. Ça fait plaisir. Oh, encore une Scar en or, mais malheureusement, on en a déjà une. On va mettre le petit pack. Oh mais... Oh, il m'a fait flipper. Oh, il m'a fait flipper comme jamais. Oh, il m'a vraiment fait flipper pour le coup. Ok, il a eu chaud, hein. On va pas se mentir qu'il a eu chaud. Je vais le rush en vrai. Je vais le rush. Il est juste là. Il est où? Ok, let's go ça. Let's go, let's go. La petite Thompson bleue, ça fait plaisir. Ok. Il y a des mecs. Il y a en effet un mec ici. Ok, je vais essayer de monter en haut si je peux. Ah, ils sont en bas. Ok. Ok, ils sont où là? Merde, ils sont de l'autre côté. Ok. Ils sont là. Dans le blanc, il est dans le blanc, il est dans le blanc, il est dans le blanc. Je vais le rush. Hop là, oh la gourde du brave. Non. Oh oui, 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 oui. Viens ici, petite gourde du brave. Hop là, merci bien. Allez, viens ici là. Allez, viens ici là. Bah alors, on se fait mettre le HP, puis après on va monter en hauteur, en espérant ne pas mourir. Et sauf que si mon pote, et ouais mon pote, tu meurs. Allez, ça dégage. Vas-y, attends, 2 petites minutes, je recharge. 2 secondes. Oh non, t'es chiant. On va recharger la Scar quand même. Voilà, on va mettre le petit tremplin directement, et on va rush le dernier qui est là je crois. Ouais, le dernier est juste là. Est-ce que ça va être l'autopin directement qui va être fait juste ici par le joueur UMS? Ok, lui je vais essayer de lui mettre un oscope. Si je mets un oscope, vous mettez un pouce bleu, on est d'accord? C'est parti. Hop là, allez, on redescend. Ok, premier essai qui a foiré. Moi je sais qu'on va le tuer au piège. Hein. Oh, il est pas rentré dedans.
Il est pas drôle. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là, le petit dopin. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner, mettre le petit pouce bleu et le code créateur UMS dans la boutique de jeu pour avoir un maximum de chiffres dans vos prochaines games. Sur ce, je vous laisse. Très très bonne journée, très bonne soirée. Ciao.